Eh bien bonjour à tous, c'est moi Cyrus, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va bien. Juste avant de commencer, j'ai une mauvaise nouvelle. On est le lendemain de la première partie de la découverte du jeu Ark Xbox One. Tous les épisodes de Just Cause que j'ai tourné ont malheureusement été supprimés. Donc sur ma chaîne il n'y aura que jusqu'à l'épisode 8 et il n'y en aura pas d'autres. Je sais qu'il y en a, ils aimaient bien. Mais une fois que j'aurai terminé le jeu, ça sert plus à rien que je filme, je ferai des petites vidéos délire dessus. Vous voyez. Voilà, j'en suis désolé pour ceux qui regardaient le let's play. En attendant, voilà. Et je vais vous proposer quelque chose. Soit une aventure Ark, un jeu que j'aime beaucoup, je l'ai acheté, je le dis. Si vous avez la Xbox One et Ark et un micro, n'hésitez pas à me contacter et on joue ensemble, je le promets. On aura même peut-être une vidéo ensemble. Quoi d'autre? Donc ouais, je vous propose soit une aventure Ark, soit à nouveau quelques délires GTA comme au début de ma chaîne. Ou alors j'ai pas d'idée. Donc si vous avez des idées, proposez-moi. En attendant, c'est parti. Donc je joue en single player. Ouais, je vais baisser la difficulté parce que 0.5. I am nul. Et on va mettre le bon petit multiplicateur d'XP. Désolé hein, mais moi c'est mes premières parties. Je dois bien apprendre vite pour devenir un vrai PCM. En tout cas, l'histoire de Just Cause me saoule bien. Mais bon, on n'y peut rien. Donc vous allez voir, hein, je suis assez bien. Nous sommes les enculeurs de Mosh. Ceux qui arrivent à trouver la référence de Nous sommes les enculeurs de Mosh, c'est une vidéo de youtubeurs. Donc comme vous voyez, j'ai une maison ici. Et je suis en train de crever de faim ici. Donc, magnifique hein. C'est... J'ai de la viande, ouais. On va mettre 8 au four. Donc comme vous voyez, j'ai des coffres. Un qui est bien rempli, du métal, du chitine, du charcoal, une selle, des flèches endormantes. Vous voyez. Et de la fourrure. Un autre coffre. Un bateau que j'ai aménagé. Donc regardez sur la carte, moi je suis le plus à droite de ce qui est découvert, pas l'île avec un tout petit bout hein. L'île un peu plus grosse sur la droite. Mon point de spawn c'est l'île, vous voyez, avec un trou en plein milieu et une genre de poignée, vous voyez, sur la petite poignée. C'est là où j'ai popé pour la première fois. Je viens de revenir. Enfin, il y a dans ma partie, mais sinon pour moi il y a genre une heure ou deux. De cet endroit, avec du stuff que j'ai mis dans ces coffres. En tout cas, vous voyez, on peut conduire le bateau et tout. Un petit feu de camp. Et regardez tout ce que j'ai ramené. Sans bois. Un sac de couchage, beaucoup de fourrure, bois, pierre, mais peu hein. Des graines de berry, un peu de charcoal, vous voyez la base. Dans l'eau, tu as rien. Je vous dis, les forêts c'est dangereux hein. Essayez de pas trop y aller, on y trouve plein de méchantes bestioles. Donc ce qu'on va essayer de faire pour la découverte, finir déjà ma maison.
Et voilà. Manger parce que sinon je vais crever. Je vais prendre le charcoal. En tout cas, je me débrouille. Hein. Dans mon inventaire, vous voyez, j'ai un lance-pierre. Normalement. Bah. Ah, le voilà. Je me disais, mais il est où mon arc? Donc il est là, mon bow. Ah, c'est acheté, c'est de la viande pourrie. Donc, allons récupérer de la caillasse. Donc, je vous explique. Donc la pioche, vous voyez, sur les cailloux, on récupère plus de flint. Merde. Il me faut quoi pour la réparer? Je suppose qu'il me faut du fibre. Ah non, du wood. Un conseil, ne vous attaquez jamais à ça. C'est hyper puissant, je sais ce que je dis. Donc, vous voyez, on récupère beaucoup plus de flint que de caillasse. Alors qu'avec la hache, on récupère de la pierre. Alors qu'on tape sur une hache, quoi. C'est un peu illogique. Mais quand je l'ai découvert, j'étais choc. Et c'est tout à fait l'inverse sur le bois. Pour récupérer plus de bois, ben, c'est la hache. Mais pour récupérer les genres de brindilles qu'on a avec le bois, du finch, comme ça, c'est la pioche. Donc, Grubato et ses tutos, voilà. La caillasse. Donc, là, je suis en train de la réparer. Les premiers outils, hein. On gagne quand même du flint, hein, vous voyez, avec la hache, mais moins. Là, ce qui nous intéresse, c'est la pierre, donc on utilise la hache. Le mec, on a l'impression qu'il chante quand il tape à fond. Minecraft. Ouais. Oh non, je crois que j'ai fait caca. Ah non. Mais j'ai entendu le bruit de caca, mais je vois pas de caca. C'est bizarre. Mec trop chelou. J'ai entendu le bruit de caca, mais j'ai pas l'impression qu'il y a du caca. Donc il nous manque quoi? Du bois, je suppose. Mais wood. On a de quoi faire deux murs. Il nous en faut environ. Bon, 5, je dirais. Si j'ai bien compté dans ma tête. Vous avez les angulaires de mouche. On va vous foutre un coup de babouche. Oh, c'est en fibre, ça. Regardez le bateau, ce que ça m'a coûté. 250 de bois. 125 fibres. Et 75 fourrures. Le id, c'est fourrure. Pour ceux qui ne seraient pas. Débloquons un engramme. On a débloqué la crossbow. Kane Oliven Smithy. Ok, on a notre priorité, c'est le Smithy. Smithy. On n'a pas assez. Bon. Je suis tenté, hein.
Je vous jure, je suis tenté pour la. Non. On va continuer à récolter un peu de pierre pour mes murs. Donc là, j'aurai pas. Ce qui est dommage sur ce jeu, il n'y a pas de traduction française. Donc ceux qui sont pas très doués en anglais comme moi, bah, ils galèrent. Sauf que moi, bah, je me sers des images. Donc je ne galère pas beaucoup. Vive les images. Mais bon, ça aurait été bien une traduction française. Peut-être à venir, hein, vu que quand même, au départ c'est un jeu PC. Hein, je crois qu'il est indépendant, je suis pas sûr. Donc qu'ils aient réussi à faire un jeu Xbox One, c'est fort. Donc des belles perspectives d'avenir pour ce jeu, je pense. Ah, voilà, stop. Bon, on va récupérer ce caillou là. Et ensuite, on rentre vers la maison pour construire les murs. Vous trouvez pas que c'est un petit peu ennuyant, hein, de la collectage de ressources? On fera un petit peu de PVP. Par contre, je ferai pas du PVP où je risque de mourir. Oh, c'est un Yeti ça. Enfin, non, un gorille, voilà. Ou un Yeti en fait. En fait, je sais pas. Pour reprendre son souffle, suffit de s'arrêter, les gens. Hein. Hop, ça en vire, ça en mange. Nous y voilà donc. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 comme je l'avais dit. Ah oui, le wood. Oh là là, quand vous voyez quand on est encombré, hein, c'est dur de se déplacer. On peut en crafter 3, donc craftons-en 3. Un là. Un là. Et parce que. Un là. Voilà. Au départ, vous commencez avec genre des brindilles hein, en maison. Ensuite, c'est du bois. Comme là, j'ai pas les fondations en pierre encore. Et ensuite, c'est de la pierre comme ça. Et ensuite, du métal, ce que je n'ai pas. Oui, 360 scopes. Ouais, le mec, fil des 360 scopes. Ça, c'est un caillou que je peux récupérer. C'est chiant, ça part trop vite ces objets. Enfin, ça s'abîme plutôt. Attends, je suis à combien? 36, donc il nous en faut encore 44. Pas rassurant, on s'approche de la forêt. Il y a des méchantes bestioles. Il nous faut 80 pierres. Ah, plus que 6 pierres. Ça, je crois. Rien à foutre. 20, 21, 25,
Voilà. Cassons-nous. Quand on craft, hein, on est lent. Mais après, on a à nouveau notre vitesse normale. J'ai pas encore réussi à dompter le dinosaure, je sais pas comment faire. Enfin, j'ai regardé une vidéo tuto, il y a les flèches pour endormir. J'en ai deux et il en faut quatre pour le dinosaure que je vise. Voilà. Voilà. Bon, plus que la porte d'entrée et le toit. Voyons mon niveau d'XP. Ah ouais. Il m'en manque. Il m'en manque quand même 150. En tout cas, bah, ma maison, j'aime bien. Ce qui est chiant, c'est que vous voyez quand on pète une plateforme, ce qui est dessus, comme par exemple ce lit, se détruit. Ça c'est chiant. Magnifique bateau. Oh, j'avais 22 pierres là. J'ai ramené toute cette fourrure. Vous savez comment j'ai eu la majorité de cette fourrure? C'est à dire 40. C'était un gros dinosaure, genre T-Rex, mais aquatique avec un genre de col, qui a essayé de s'attaquer à un bronco, ce truc là-bas. Mais pas lui, hein, un autre. Le bronco, il lui a foutu 5 coups de queue, le truc il est tombé par terre, j'ai arrivé ma hache. J'ai tout pris. Vu que c'est un herbivore, il s'en fout du cadavre. Donc moi, ça m'arrange. Nous sommes les engueules de Mutch. Je vais réparer. Je vais réparer la boîte. Vaut mieux. Donc ça, je vais le prendre. Et je vais le foutre avec. Y a quoi? Il y a du charcot, je vais le foutre. Le métal aussi. Il y a quoi d'autre que j'en profite, hein? Le flint, il faut que j'en garde. Ça, je vais garder. Ça, je garde aussi. Ouais, bon. J'ai 14 points. Je tiens à économiser pour la table de craft. Ça. Pour que je puisse crafter la crossbow et tout. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une arbalète. Je regarde ce que je peux faire. En tout cas, comme vous voyez, il y a beaucoup de craft. Oh, pistolet. A sword. Ghillie masque. Le fusil et les balles. Je dois vous avouer que j'aimerais bien avoir un perso cheaté qui est tout et tout. Comme ça je m'amuse et tout. GPS. Putain, ça il me le faudra. Ça permet de savoir précisément où je suis. Parce que vous voyez ma carte. Ça me montre ce que j'ai découvert, mais ça me montre pas exactement. J'ai évoqué ça, c'est fait exprès. C'est pour pouvoir débloquer le GPS pour plus tard. Bon, bah, en tout cas, voilà. On va regarder le caca. Le gros caca. Bon, on va essayer de faire un petit fight et je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Même si elle a pas duré longtemps. En vrai dire, c'est surtout que j'ai pas le courage. Merde. Aboyer. J'ai pu aboyer. Demi-tour, vite. Faut aboyer. Donc, c'est simple pour boire. Il vous suffit d'avoir la gourde. C'est le truc là qui est en B en bas.
Et vous appuyez sur B dans l'eau. Comme ça, la gourde elle se remplit. Votre jauge aussi, en même temps. Regardez le petit symbole en bas à gauche, ça veut dire que j'ai chaud. Tiens, la saloperie. Ah, ça m'attaque! Ça... Casse-toi! Mais il est où? T'as vu? Faut croire que je l'ai eu. J'ai vu que j'ai faim, hein. Donc on va aller tout de suite faire cuire de la bonne viande. Je vous dis, quand vous courez, ça baisse plus vite votre faim. Quand vous avez froid, la faim aussi baisse plus vite. Sommes les couleurs de mouche. On va foutre des coups de ma bouche. Allons voir ce que c'est ça. Regardez ce truc. Le truc il m'a foutu une claque, j'ai même pas cherché. Vous voyez là où est ma base maintenant et que je vous parlais. Donc on va respawn sur le bed. Sur ce bed là, sur le sac de couchage, vous pouvez y respawn toutes. Bah en fait vous respawnez le sac qui disparaît. Sur celui-là, toutes les 5 minutes. En tout cas j'ai compris, puis faire chier ce machin. My t-shirt. J'aurai ma vengeance. Salaud. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien. Ah. Oui. Non. Pendant qu'il est inconscient maintenant, on va tuer. Je sais ce que vous vous dites, mais pourquoi pendant qu'il est inconscient tu le domptes pas? Parce que je n'ai pas déjà la selle et il faut des trucs spéciaux. Donc là il est mort. Ensuite vous prenez votre hache pour la fourrure. C'est là. Ah oh, yes. Par contre, je vous conseille à chaque fois de récupérer vite les cadavres parce que les carnivores ils vont se faire plaisir de... sinon dessus. Donc voilà. Vous voyez, on a 20 fourrures. Donc on peut améliorer quoi. Stamina, oxygène. On va augmenter la stamina. Maintenant, on a 25 points. Donc, priorité à l'établi, machin, truc nuche. Voilà. Ensuite. Ah, je l'ai déjà appris ça, je suis intelligent. Je vous avais, je sais pas quoi faire.
Bah je sais pas quoi. Austin Fondation. Ouais mais non. Ouais, c'est une merde, la hache améliorée, voilà. Maintenant, voyons ce qu'il nous faut pour crafter le petit truc. Metal ingot. Donc on va déjà commencer par crafter la fournaise pour faire le metal ingot, pour faire ensuite le machin, un truc niche, pour pouvoir faire la crossbow, ensuite pour pouvoir... Trop de trucs. J'ai peut-être encore ma pierre là-dedans. Ouais. Je prends craft. Donc c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Donc il nous manque la fourrure. On a assez dans nos coffres. Ou d'en assez, c'est la pierre. Alors là, il y a beaucoup de pierres. On va essayer de crafter le truc et la crossbow qu'on essaiera ensemble, mais je pense qu'on se laisse pas. Allez, c'est pour bientôt, vous inquiétez pas, encore genre une pierre après celle-là, je pense, ou même voir celle-là. Saloperie. On va reprendre du bois. Voilà. Il nous manque. Ah oui, la forêt. La fourrure, c'est un des trucs les plus chiants à voir. Voilà. On va reposer la fourrure en attendant. Pourquoi je fais ça? Moi je vous réponds pour pouvoir placer ce putain de four.
Vous dites, mais pourquoi? Bah, il faut le placer sur un truc comme ça, non. Je fais le plus simple. Y a pas de craft. Peut-être suffit de mettre juste le métal. Ah merde, faut du bois. On va voir si ça fonctionne. Bon, pour l'instant, rassemblons ce qu'il va nous falloir. Craft. Donc il va nous falloir 5 metal ingots, c'est en train. Glassstone. C'est reparti. Ok. Avec une hache, c'est totalement illogique. Dès qu'on a pété cette pierre, je regarderai combien il en faut déjà, je m'en souviens plus. D'accord. Ça m'a fait peur, je me suis dit c'était un raptor. Merde, j'avais dit à la dernière pierre, je crois que c'était 80. Non, 50, c'est bon. Donc c'est bon. Allons voir maintenant. C'est bon. Laissons le reste cramer. Hein. On craft. Donc la fourrure. Et maintenant, on va juste ranger la fourrure. Ah, on va le placer sur une flore. Donc désolé, mais je préfère en faire un autre histoire qu'on ait la place. On va monter sur la plateforme. Weapon. Crossbow. Donc voilà ça. Metal ingot 7, fibre et bois. C'est notre priorité. Combien ça coûte ça? 8! Wow. Et je vous jure, ça coûte cher. J'ai pas encore trouvé la technique pour avoir plein de metal ingot. Attendez, vous savez quoi? Tuto YouTube! C'est génial! 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 Donc, je vous invite à avancer la vidéo jusqu'à ce que. Cet endroit. C'est-à-dire. Grand max 10 minutes.
génial. Bon allez, PC de merde. Réponds. Mon PC fait esprit. Il n'aime pas. Allez, putain, ta mère. Ta mère, réponds. Putain. Mec, qui rage trop. Je vais l'enculer, ce PC de merde. Voilà. Voilà, ça me saoule. Ah, voilà. Badalala. Merde, non, coupez la forme. Ça gâche du bois. Donc. A. R. K. Comment avoir du métal. Voilà. Donc, désolé si c'est un peu long pour vous. Hein. Ceux qui n'osent pas passer. Regardez mes réactions en live. Donc, on va regarder la vidéo de Danfield, un youtubeur. Dan Espace Field, voyons ça. Je m'en fous de la nouvelle Fiat. Ok, bon, ça fait chier, il nous faut des montagnes. C'est mort, je me tape pas là-bas. Donc, merci Danfield. Hein. Même si tu nous as pas vraiment aidé, merci quand même. En prenant notre pioche, c'est le métal que j'avais terminant avec la pioche que j'ai eue. Ah, regardez, un métal. Richesse, deux métal. Voilà. Oh non, je crois qu'aussi il va parler des rochers jaunes. Fais chier. J'ai pas de quoi la réparer. One ou deux. Ou deux. On appelle ça la flemme de prendre sa hache.
était mieux en niveau métal. Ah ouais, mais l'autre il était large. Ah, il y a une lumière verte. Oula, ça faut faire gaffe. Dernier rocher. C'est que je suis fatigué, ça faisait cet écran. Oh, j'ai fait caca, je l'ai vu. Il est où mon caca? Et mon caca. Ah non, c'est qu'il est froid. Bon, retournons vite chez moi. Bon, et là, ça ne nous aura pas aidé. Non. En fait, non. Deux de métal, c'est bon. Il nous en faut combien pour la crossbow? Non, c'est pas le bon truc, c'est là-dedans. Ah, là, j'ai trouvé le bouton. Je crois qu'il nous en faut 8. Ah non, 7. Si déjà on a un lingot de métal avec ce qu'on a là, bah, c'est cool. De bois. Comment le bois, ça part vite dans le jeu. Oh là là. Donc on va le couper, hein. Vous savez quoi, je vais tout mettre. Enfin, de celle-là. Ah, je suis déshydraté. Ah, je suis gelé. Lumière, s'il vous plaît. J'ai peur. Bon, retournons à la chasse. Au métal. Mais, allez, deux métal, c'est tout. Et chier.
Ah, one metal. Merde. Oui, c'est bon. Peut-être un troisième. Non. En tout cas, c'est bon, on a de quoi faire la crossbow. Ça va faire un lingot. C'est déjà quoi pour faire des fibres? J'en ai pas sur moi. Si j'en ai. Ah oui, mais ils sont. Faut les mettre dans le truc. Et du wood. On va le mettre les 35. 12, 13, 14, 15, 16, 20. 35. Oh mec. Et 25 wood. Prendre un goût de métal et le charcoal. Il faut les lingots de métal. White man. Ah, ici. Regardez. Oh, level up. J'ai envie de mettre ma force. Enfin, de transporter. Donc ça va jusqu'à là. Ma métal. Voilà. À quoi ce beau. Et à réparer, ça nous dit ou pas? Non, ça ne dira pas. C'est embêtant. En tout cas, c'est cool maintenant, j'ai une crossbow. En tout cas, je suis content. C'est un mini dino, ça. Ah, pas sûr. Ouais. On l'a abattu. Oh là 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 là. Comme le chien. Et on a récupéré nos munitions. Oh là là, c'était beau.
Non, c'est pas méchant et ça m'a l'air assez puissant. Donc je préfère pas l'attaquer. Non, pas ça. Pas cette petite saloperie. Ah, il y en a un autre. Dégage, 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 dégage. Il y en a un autre. Ils sont trop nombreux. J'avoue que c'était seulement de la chance. Il me manque quoi? D'accord. Il me faut un arbre. Il y a plein de zap comme ça. Je me permets. Tout au calme. Ah, j'ai fait caca. Mais il est où mon caca? Le dinosaure a mangé mon caca. C'est ça? Bon, j'en vois encore, mais j'ai pas envie de les affronter. J'ai juste envie de retourner à mon campement. Vous allez dire, ouais, mais Gru, c'est pas marrant là. On va les affronter. Moi, je réponds non, je rentre. Parce que c'est comme ça. En tout cas, moi, j'adore Ark. J'aimerais bien avoir des amis sur Xbox One qui l'est, mais j'en ai pas. Qui est Ark. Donc, si vous avez Ark et que vous avez la Xbox One, et donc Ark sur Xbox One et un micro, je me ferai un plaisir de jouer avec vous. Donc, n'hésitez pas à me demander en ami. Voilà. Enfin, vous m'envoyez un message, vous dites Gru, je suis un de tes abonnés, j'adore ce que tu fais, et je voudrais jouer avec toi à Ark. Bah, voilà. Plutôt simple, hein. Bon, il faudra qu'on trouve une montagne. Le pire, c'est que je sais où il y en a une. Vous voyez ma première île, celle avec le trou en plein milieu. Il y avait une sorte de mini montagne. Peut-être que... Voilà quoi. J'irai y faire un tour si j'y pense demain. Parce que là, je vais bientôt aller me coucher, je suis fatigué. Donc j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un maximum de likes. En tout cas, bah, j'espère que ce que j'ai fait vous a plu. Si vous êtes un connaisseur de Ark, vous avez des conseils, n'hésitez pas à me les donner aussi. Hein. Tout conseil est bon à prendre. Et ben, sur ce, ben, salut!